Il est 14 heures, lycée classique d'Abidjan. Sur les visages des candidats et parents d'élèves, c'est l'angoisse et l'impatience. Normal, aujourd'hui 1er juillet, jour de proclamation des résultats du BEPC. Moi, je suis là depuis 13 heures, j'attends les résultats. Bon, je suis un peu stressé. Je suis venu prendre les résultats, depuis on attend, mon cœur bat. 30 minutes d'attente et enfin le début de l'annonce des résultats. Les réactions sont diverses et bien évidemment, la joie est dans le camp des admis. J'ai eu mon BPC, la motion a bien. Je suis heureux du résultat. J'avais confiance en ma fille, je savais qu'elle allait avoir parce qu'elle travaille très bien, elle est très bien à la maison. Elle parle pas, elle étudie, elle respecte tout le monde. Vraiment, je suis très content pour elle. Mention spéciale pour Beydoune Zenab, bien qu'étant élève en classe de 4e, elle vient d'obtenir son ticket pour la classe de seconde. Je viens d'avoir mon BPC. Quand on veut, on peut. Tu veux juste bosser, tu bosses dur, tu auras toujours ce que tu veux. La chance n'a pas souri à tous, mais l'heure n'est pas au découragement. Ben, je suis un candidat malheureux, mais bon, je ne suis pas découragé, c'est la vie, quoi. En 2014, ça sera su. Cette année, les résultats ont connu un net progrès, avec un taux de réussite de 40,17% contre 17,14% l'année dernière. Les résultats en hausse cette année s'expliquent par l'harmonisation des coefficients examen et contrôle continu réalisés par l'inspection générale et la direction des examens et concours a créé l'équilibre entre les notes obtenues en classe pendant l'année scolaire et celles obtenues à l'examen. Les résultats du BEPC connus ce lundi, le 15 juillet prochain, les candidats au bac connaîtront également leur sort.